13th district in a small restaurant called La Zigothèque, which is for me the temple of whiskey and food matching. We are with Jean-Michel Noël. Noël in French means Christmas, and I think Jean-Michel is a real present for all whiskey lovers, because he has a special really gift. Again, Christmas. He has a special gift for matching whiskey and food. It's really his passion. Just a few words about this district. The 13th district, le 13e, is closer to the sort of Chinatown in Paris. And for a long time, it was sort of desert place. There was nothing happening there. But with the building of the Grande Bibliothèque François Mitterrand, the great library, now it's completely changing, it's developing. And Jean-Michel has called his restaurant Zigothèque. This is a two word. We say in French, un mot valise, it's a case word, suitcase word. Because zigo is the zygomatic, the muscles, when we like laughing. And tech is a hint, a reminder of bibliothèque. So we are in a laughing place and it's real good fun. Jean-Michel, vous avez ouvert votre restaurant il y a combien de temps ? 9 ans. Il y a 9 ans. Et vous aimez le whisky ? Tout à fait, c'est une passion. C'est une passion. C'est une passion. Et donc l'idée, ça a été, de, comme vous aimez la cuisine et vous aimez le whisky, vous avez créé des menus avec du whisky. Tout à fait. Et je crois que tous les mois ou tous les mois et demi à peu près. Tous les mois et demi, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites quelque chose de spécial ? Des menus dégustation, de l'apéritif jusqu'au digestif. Avec des whisky. Avec des whisky. Et là, pour Whisky Live, Jean-Michel a fait quelque chose de vraiment spécial, puisqu'il y a une grande soirée demain. Racontez-nous cette soirée. C'est une soirée un peu à l'honneur de John Glazer, qui fait partie de la société Compass Box, et qui fabrique plein de whisky, qui sont, à mon avis, très très bien élaborés. Donc j'ai décidé de lui faire un menu spécial uniquement avec des Compass Box. Voilà, c'est vraiment l'hommage à John Glazer. Et comme on arrive aujourd'hui, nous, on va goûter aussi. Alors, il est 9h30 du matin et je vais goûter des sardines et des tomates. C'est mon petit déjeuner, je suis bien contente. Donc, on va juste quand même rappeler ce menu. Donc, on commence par un apéritif. Apéritif servi avec plusieurs, deux, trois amuse-bouches différents. Mm-hmm. Donc on va avoir je ne sais pas trop encore d'ailleurs. Oui, vous avez celle-là. C'est là. Ah oui, avec Azila. Azila. Hein, le blend donc, de John Glazer. Et Juvenile. Et Juvenile, ce qui est aussi un jeune vatted malt. Ouais. Et là, nous avons l'entrée. Donc c'est un millefeuille de tomates avec des sardines fraîches marinées. Ouais. Elles sont marinées dans... Elles sont marinées déjà au sel. Pour les cuire un peu, pour avoir une texture cuite, mm-hmm. un peu comme le saumon fumé, puis mariné dans une marinade à base d'huile d'olive et condiments, ail, persil, plein d'herbes, plein d'aromates. Voilà, et on a une petite salade sur le côté. Oui. Hein, avec, je vois des petites choses là, c'est des fleurs. Avec des fleurs. Vraiment, et Jean-Michel. Des fleurs de carottes sauvages. Fleurs de carottes sauvages. Ça, c'est vraiment très élaboré. Et là, on a le choix entre deux whiskies. Donc, moi, j'ai choisi Oak Cross, qui est un des fers de lance de Compass Box. Donc, on va tester. Hein. Je vais goûter. Vous le connaissez, oui. Donc je ne vais pas vous le faire goûter. C'est moi qui vais goûter toute seule. Alors, j'ai décidé de faire un millefeuille. Comme ça, vous avez un croustillant à la tomate. Oui. Plus... Parce que dans un plat, il faut que vous ayez un peu de moelleux et un peu du croustillant. Voilà, alors donc on a le moelleux de la sardine, ouais. Et on va avoir le croustillant. Je prends un petit peu de sauce et l'olive. Ça, c'est intéressant, l'olive, la texture et le gras de l'olive, en général, va très très bien avec le whisky. Donc je goûte. Le goût puissant de la sardine. C'est quand même quelque chose de très fort, mais enrobé avec l'huile. Et Oak Cross, ouais. Qui garde son caractère, mais qui adoucit le tout.
C'est vraiment, moi j'aime beaucoup ce mariage-là. Je vais laisser la salade là, je vais regoûter encore un petit peu. Donc on va démarrer dans ce menu sur quelque chose de fort, de bien, avec du caractère. On démarre sur vraiment, on dit en France sur les chapeaux de roue. We're starting on the, we say in French on the wheel hat. Doesn't mean anything. It's French. Et le côté salé de la sardine rencontre le bois, ouais. le cadre boisé du whisky. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça c'est bon. Et après donc on continue sur puis il y a des épices, il y a un petit peu de poivre aussi qui revient. Piment d'Espelette. Piment d'Espelette. Ça c'est vraiment la chaleur sur la finale de Oak Cross qui est vraiment très très chaleureuse. Rencontre l'épicé du piment, c'est délicieux. Un parmentier de haddock, donc du haddock avec une purée de pommes de terre. Alors ouais, là, je vais faire une purée de pommes de terre, sauf que je vais faire ça en deux temps, c'est-à-dire que je vais mettre un lit de purée de céleri. Purée de céleri. Le haddock et la purée de pommes de terre en finale. Ordinaire. Oui, le céleri, alors là, c'est... Alors l'avantage du céleri, c'est que... Ça va adoucir le haddock, oui. Plus que la purée de pommes de terre. Oui, parce que ces légumes racines, on en a déjà parlé dans les recettes, les légumes racines vont très très bien avec le whisky. Ça, c'est une chose, il y a un sucré dans un légume racine, que ce soit du céleri, du pané, c'est vraiment très très bon pour le whisky parce que ça adoucit et ça rencontre la vanille du whisky. Et donc là, on va le présenter avec le Spice Tree. Donc là, plus épicé, plus relevé, un whisky qui a plus de caractère, ouais. plus boisé. Qui affirme son bois, ouais. Voilà. Qui affirme le... Ou une surprise. John va apporter une surprise, va faire aussi son cadeau à Jean-Michel. Jean-Michel lui fait un beau cadeau, là. Et ensuite, il y a un fromage, carpaccio de chèvre, fromage de chèvre coupé très fin, qu'on va goûter à l'huile d'olive et aux pistaches. Et on va le goûter avec Flaming Heart. Flaming Heart, un whisky brut de fût, un vatted malt brut de fût de Compass Box. I love the word Flaming Heart, because that's very romantic again, and I like that. Et un dessert, on aura un blanc mange, as you say in English, avec Hedonism, qui est le grain whisky, très très vanillé, qui est une petite pâtisserie liquide. Jean-Michel, on va goûter le Carpaccio. On va débarrasser ça. Jean-Michel, voilà le fromage, donc le quatrième plat du menu. Oui. Alors racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors j'ai essayé de faire un carpaccio de chèvre, parce que de chèvre frais, c'est-à-dire qui n'est pas très sec. C'est-à-dire que le crémeux du fromage va envelopper la bouche pour déguster le whisky avec. Qu'est-ce que vous avez choisi comme whisky? Flaming Heat, c'est un whisky très, très personnalisé qui a beaucoup d'arômes vanillés. D'accord? Oui. Donc quand on va déguster ce fromage, j'ai rajouté un concassé de pistache fraîche et ce qui va s'associer en plus avec le goût vanillé du whisky. Donc il y a toute une recherche quand vous faites comme ça un plat, c'est pas seulement de dire bon ben voilà je vais prendre les plats de ma carte et je mets du whisky avec. Quelle est votre philosophie derrière tout ça? Ma philosophie c'est que j'aime les bonnes choses, donc tout ce que j'aime manger, je l'associe forcément avec un whisky ou du vin que j'adore aussi. Et là en particulier, c'est des menus dégustation whisky, je recherche une association qui n'est pas évidente. Mm-hmm. Pas évidente parce qu'on n'a pas l'habitude de manger avec du whisky. C'est vrai. C'est pas une philosophie, c'est une... j'arrive pas à trouver mon mot. C'est un art de vivre peut-être. Un art de vivre, plus un plaisir. En fin de compte, c'est un plaisir. Oui, quand on ouvre un restaurant qui s'appelle Zygotesque, le plaisir est vraiment là. Alors, je ne peux pas résister, moi, au plaisir de goûter ce plat. Donc, les pistaches, ça c'est vrai que c'est pistache huile d'olive, c'est très très bien pour
pour associer avec un whisky, parce que tout ce qui est en noix, toutes les noix, en fait, tout, ça va très bien. Ce qui est c'est le côté onctueux et gras qui fait ça. La pistache, c'est un bon goût. Écoutez, le whisky. Oui, il a du caractère. Ah, il a beaucoup de caractère. Mais il n'y a pas d'alcool. L'alcool est vraiment très, très bien maîtrisé. Oui, très, très bien maîtrisé. Puis le fait de manger ce fromage frais, ça atténue encore un peu plus le côté... ce qu'on ressent, ce que les gens hésitent, justement, c'est le côté alcooleux. Enfin, du moins, ils ont l'impression qu'il y a beaucoup d'alcool dans un whisky. Alors, il n'y a pas plus d'alcool que dans autre chose. Mais c'est parce que c'est ces arômes qui arrivent toujours d'abord. En premier nez, ces effluves d'alcool qui montent. On en boit peu. Hein. Vous servez des toutes petites quantités, voilà. Ce qui est tout à fait normal. Et là moi, j'ai des notes rafraîchissantes de réglisse également. Ouais. Hein, ce qui passe derrière, c'est... Voilà. Mais c'est aussi ce petit goût et le mélange qu'on a entre la pistache, le fromage frais et le whisky. Voilà, qui fait ressortir des notes différentes par rapport à une dégustation sans nourriture. Tout à fait. Et c'est ça, la cuisine. Quand on fait des mariages avec le whisky, c'est de tout caler. Et c'est ce que j'aime beaucoup, moi, chez Jean-Michel, c'est qu'il y a un travail derrière. C'est un peu comme de la tapisserie. C'est vraiment tout à fait précis. Hein, c'est pas de dire je prends mon plat, je prends mon whisky et je mélange les deux. Ça ne marchera jamais. Et là, il y a tout un travail derrière. Il y a un travail avec de l'amour, parce qu'on ne peut rien faire de bon sans amour. Et on sent vraiment le plaisir de Jean-Michel. Alors demain, il y a 35 personnes qui vont venir. Oui. Vous êtes au fourneau, là, au piano, non-stop, pendant deux jours. Mais au fond, ça vous plaît bien. Bien sûr, sinon je ne le ferai pas, tout simplement. Et vous avez vos habitués. Les gens viennent régulièrement. On a beaucoup d'habitués. On a des gens qui viennent depuis le début. Mm-hmm. Depuis le début, on a quelques-uns qui font partie du club de la maison du whisky. Et on a des autres habitués du quartier et des amis qui viennent depuis le début. Donc ça fait 4 ans que je fais des menus au whisky. Et depuis le début, ils sont là et ils ont toujours été là et ils adorent ça. Et vraiment, la Zigota, c'est le restaurant qui travaille le plus le whisky avec les plats à Paris. Et Jean-Michel a commencé bien avant que ce soit, entre guillemets, un peu à la mode. Et ça, on sent vraiment la passion derrière. Et c'est ce qu'on aime à Single Malt TV, c'est la passion. Merci.